نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie Allah Azza wa Jalla beaucoup parce que Allah m'a soutenu dans cette affaire depuis le début jusqu'à la fin. Mais dans le droit de réponse, je ne peux pas me taire sans répondre. Sur certaines choses qui se passent dans les réseaux sociaux, nous savons que nous sommes dans un état de droit où chaque personne a droit à la parole. Je ne dois pas me taire quand quelqu'un est en train de mentir à mon nom et mentir au nom des autorités camerounaises depuis le début de cette affaire. Je veux répondre au grand prince Saïd Njoya à propos de mensonges et des diffamations qu'il rencontre dans les réseaux sociaux pour brouiller les pistes de la vérité. Parce que ça, c'est l'acte de mécénariat. C'est inconcevable de croire que les autorités camerounaises, les erreurs graves que ces garçons sont en train de faire. L'affaire dure depuis de 6 mois. Et on a demandé à Cambodge, le roi des micros qui se cache dans le restaurant, il ne comprend pas l'exact aberrant qu'il a causé aux États-Unis, on l'a chassé. Mais il s'occupe et il se préoccupe des choses qui ne lui regardent pas, en accusant les gens à tort et à travers. C'est pour ça que je fasse cette vidéo. Réponse à lui, que c'est moi, Njaou Seydou, qui est accusé pour le viol de l'enfant, que depuis ma déclaration à la gendarmerie depuis le 24, j'ai dit que je ne dois pas négocier et je ne dois pas payer les rançons. C'est pour ça que l'affaire est en justice. Nous sommes partis de la justice d'ici, par l'ordre du procureur de la République qui est chargé de poursuite. Nous sommes partis à Bafoussam. On a contacté 2 médecins, 2 centres, des spécialistes. Le gynécologue de Bafoussam, je parle comme ça à haute voix. Ceux qui le connaissent doivent aller lui poser la question. Si on lui a donné 5 francs dans l'enveloppe, quand il a fait les examens sur l'enfant, le gynécologue, c'était sous l'ordre de PJ, le directeur de PJ. Et on est parti à Yaoundé. Je n'étais pas là. C'est en présence d'Ndimdab Anjara, la maudite, qui sont partis là-bas accompagnés de certaines associations. Ils sont partis là-bas faire les examens. Je n'y étais pas. On a fait les examens à l'hôpital gynécologue ou gynéco-obstétrique de Yaoundé, accompagné de 4 spécialistes. On a dit que c'était, il n'y avait pas le viol. Les résultats sont venus. Le procureur de la République de Fumbot, dans lequel ce n'est pas 5 francs que je lui ai remis. Je dis à haute voix pour que tous les Camerounais comprennent. Je n'ai pas l'argent pour acheter les trucs. On a remis les résultats. Il a vu que les poursuites contre moi étaient inutiles, il m'a laissé. Et les enquêtes se sont poursuivies à Fumbot. Parce qu'il faut que j'explique. Par l'ordre du magistrat ou par l'ordre du procureur, on a continué les enquêtes. On a fait les descentes sur à domicile, fait des enquêtes. Et après, on a envoyé le dossier à Fumban. Comme tout un Camerounais, et que la loi n'est pas seulement pour n'importe... la loi n'est pas seulement moi qui ai fabriqué la loi. J'ai demandé, comme toute personne peut demander, la liberté provisoire. Et cette liberté provisoire m'a été accordée. Et que l'affaire reste pendant dans la justice et on est en train de poursuivre les enquêtes pour rechercher la vérité. C'est pour ça que quand quelqu'un est accusé, on laisse l'affaire à la justice.
Ce n'est pas les réseaux sociaux qui mènent les enquêtes. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui rendent les verdicts. Ce n'est pas les demi-vidéos ou des écrits que, ou c'est qui, on appelle ça, ou c'est grand, le faux prince, qui salue le nom de roi, de sa majesté le roi pour rien. On m'a convoqué au palais devant le sa majesté le roi Bamoun pour mettre la lumière sur cette affaire en présence des autorités religieuses et en présence d'un docteur. Et ce papier préfabriqué qu'on est en train de faire avec une expertise, parce qu'il y a un contre-expertise à Yaoundé et à Bafoussam, les spécialistes de la gynécologie, on dit que la fille n'a jamais été violée. Et jamais, il n'y a pas une viol. Moi, je ne vois pas là où Njoya et le vendeur d'illusions sortent pour accuser le magistrat, le procureur, l'étel. J'ai quel argent pour acheter le gynécologue de Yaoundé? J'ai quel argent pour acheter le gynécologue de Bafoussam? J'ai quel argent pour acheter le gynécologue de Douala, là où ils sont partis avec l'enfant? J'ai quel argent pour acheter tout le monde et pour acheter le magistrat? Moi, je dis que l'affaire est en cours. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Et moi, je suis présent et je dis et je répète et je vais dire à tous les Camerounais que je n'ai jamais acheté un 5 francs pour qu'on détourne le résultat de la vérité. Moi, j'ai dit au début qu'il faut que la vérité doit se savoir, on doit connaître la vérité. Et que les gens doivent comprendre qu'aujourd'hui, Maïmouna n'a pas été violée. Parce que les résultats médicaux sont là, les contre-expertises sont là, clairs. Et la justice est en train de faire son travail dans le dur, dans la plus belle manière. Et je suis un Camerounais, comme tout le monde, je peux profiter de la liberté provisoire. Ce n'est pas une corruption, c'est la loi de la République. Je peux demander une liberté sous caution jusqu'à ce qu'on juge l'affaire. C'est très clair, ce n'est pas une corruption. Je n'ai pas acheté qui que ce soit. Et je voulais que les gens sachent que Njoya, c'est un vendeur d'illusions. C'est quelqu'un qui n'a rien dans sa tête. On ne peut pas rester sur les réseaux sociaux, on donne les condamnations. On ne peut pas rester sur les réseaux sociaux, on préfabrique les choses. Et moi, je veux que les gens comprennent, que le chef de l'État ou tout le monde comprenne que cette affaire-ci, c'est une affaire dont il n'y a eu ni corruption, ni argent qu'on a payé, ni truc. Et Njoya va répondre devant les autorités un jour. S'il arrive au Cameroun, il va répondre de sa responsabilité. Il va produire les preuves de la corruption. Parce que si une affaire va à Yaoundé, dans le contre-expertise, je ne vois pas une corruption. On ne peut pas dire que le commissaire de la PJ a été corrompu. On ne peut pas dire que les quatre gynécologues de Yaoundé qui ont fait l'expertise sur l'enfant ont été corrompus. On ne peut pas dire que le spécialiste de la gynécologie de Bafoussam a été corrompu en présence de son avocat, en présence des trucs, et les PV sont dressés. Tout le monde qui veut voir le PV puisse voir le PV. Mais c'est plutôt une manière d'être fou ou folle de laisser ce que les gynécologues ont fait, les spécialistes ont fait, pour venir s'occuper de vendeurs d'illusions au quartier. Quelqu'un qui ne connaît rien, pour dire enfin que j'ai observé avec les yeux. On lui a demandé que tu as fait le test au ballonnement. Il a dit que non, j'ai observé avec les yeux par constatation. Et il ne faut pas que les gens, les autorités soient influencées. Nous, on était devant le Sa Majesté le Roi, dans la cour, ils ont observé la vérité eux-mêmes. Et nous, je profite d'ici, c'est-à-dire je profite dans cette antenne, ou dans cette assise, pour remercier les autorités de Camerounais qui ont pris l'affaire au sérieux. Ils n'ont pas seulement compris le chantage. Parce que pour Njoya a tout dit. Njoya a tout monté. Njoya a tout fait. Njoya est en train de vouloir tout faire. Quelqu'un qui est aux États-Unis caché, il n'est pas aux États-Unis, qui est caché dans une île.
Là où il manque l'argent pour payer le séjour, il veut accuser les magistrats, les procureurs, les hommes ici pour corruption parce qu'ils voient que c'est une affaire de tel. Non. Moi, je dis à Joya, si tu as une pièce à conviction dans cette affaire, produis la pièce à conviction que de fabriquer le mensonge. Ils ont voulu faire un montage en disant que on veut enlever l'enfant. Comment nous voulons enlever l'enfant alors que l'enfant est en justice? Et nous voulons savoir la vérité depuis 6 mois. Depuis 6 mois qu'on est dans cette affaire-là. Et je demande aux autorités de ne pas céder au chantage de fous comme Joya. Joya, c'est un fou. Joya n'a rien dans la tête. Parce que dans le propos de Joya, tu sens que même Joya n'a rien dans la tête. Joya se met dans les réseaux sociaux pour dire l'autre, on va lui condamner 15 ans, on va lui condamner 20 ans. Quand quelqu'un est accusé, il n'est pas encore coupable. Jusqu'à ce que la justice rende le verdict. Et moi, je témoigne les magistrats, les procureurs, le truc que mon dossier est passé entre leurs mains, que je ne les ai pas remis un 5 francs. Je n'ai pas acheté un 5 francs, ni un résultat, ni un truc. J'ai quel argent pour acheter les gens dessus partout, les gynécologues, machin, truc. Joël, c'est un fou. Et je pense que à la fin de ce procès, Joël va être poursuivi pour diffamation de nom de magistrat, etc. Et qu'Allah nous pardonne et nous guide.